Une nouvelle affaire pour Nabila Benatia. Une plainte est adressée contre la starlette. C'est Michaël Bizet qui en est à l'origine. Michaël Bizet, c'est l'homme qui permettait à Nabila et Thomas de se produire dans des boîtes de nuit dans toute la France. Contacté par Non-Stop People, Michaël Bizet s'explique. Alors en fait, j'attaque Nabila parce que moi j'ai toujours eu des valeurs et je ne supporte pas la malhonnêteté. En fait, ce qui s'est passé, c'est que des clients m'ont fait confiance et m'ont demandé Nabila et Thomas en prestation booking et pour le Lido de Paris. Et ce que j'ai fait, moi j'ai fait entièrement confiance à Nabila. Les acomptes que mes clients m'ont donnés, je lui ai reversé sur ses comptes bancaires et lui ai donné des espèces, ce qui correspond donc à des acomptes. Sauf que le séjour en prison de Nabila et ses ennuis avec la justice l'empêchent d'honorer ses engagements. Impossible pour elle d'apparaître dans les boîtes de nuit comme prévu. Problème, les clients de Michaël Bizet ont déjà payé et réclament aujourd'hui le remboursement de leur avance. De l'argent que le booker avait déjà donné à Nabila. Montant du préjudice, 10 550 euros. Donc moi je suis passé par sa maman, je suis passé par sa mamie, je suis passé par son frère. Et le problème, c'est que Nabila n'a jamais donné signe de vie. J'ai réussi à avoir son numéro parce qu'elle avait changé deux ou trois fois le numéro de téléphone. Et elle m'a dit textuellement, comment ça va Mika? Je lui ai dit, Nabila, ça serait bien que tu rembourses mes clients parce que ce n'est pas mon argent. Ça serait mon argent, ça ne tiendrait qu'à moi. À la rigueur, je m'en fous parce que moi, je suis quelqu'un de très gentil et très honnête. Mais là, c'est l'argent de mes clients qui m'a signé au tribunal parce qu'ils veulent le récupérer. Et Nabila m'a raccroché au nez. Devant le silence de Nabila, Michaël Bizet a donc décidé de saisir la justice. Une affaire de plus pour Nabila Benatia.